La police vient. La police vient. Il a été ici deux fois. Deux fois comment? Il a dit, ouvre la porte, pour appeler la police à la blague. Il a dit ici là deux fois. Je t'ai dit que n'ouvre pas la porte. Quand tu savais qu'ici c'était. J'ai dormi, j'ai avoué que n'ouvre pas la porte. Qui c'était? Donc, quand ils sont. Ouais, j'ai lancé le direct. Ouais. On dit Philippe, ils ont même mis la drogue chez nous. Je t'ai dit que n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi la police arrive, tu dois venir au port de la police. Non. Tu as été chez moi trois fois. Peut-être qu'il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. Je t'ai dit qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux ça pas? Fait trois fois que le gars tu es ici dedans. Mais il a fait comment pour entrer? Demande à Gloria. Mais qui a là-bas? Dans la première fois, qui a fait comment pour entrer? Maintenant, il a fui avec la sortie. Des fois, j'ai le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Je vois tout le monde est connecté. J'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés. Même pas 5 minutes, il m'appelle, il me dit que les airs, qu'on casse la voiture. Que quoi? Les airs, tu me les dis. Mais j'étais où? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit? Tu m'as déjà mal à la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais réveillé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, dis donc, laisse-moi un peu. Ils sont venus une deuxième fois. Mais tu avais le champagne. Tu avais le champagne. J'ai l'enfant, c'est que tu veux le champagne. Quand tu donnes le champagne à quelqu'un. Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Allez, faut arrêter ça, dis donc. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. Le gars a dû mettre quelque chose dans la maison. Elle a mis quelque chose, mais tu avais le champagne pourquoi? Gloria, Gloria, arrêtez ça. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu ouvres la porte? Il a dit qu'il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert, il cognait la porte. Il est venu maintenant deuxième fois. Quelle deuxième fois? Mais voici, tu sais, trois fois. Première fois, tu avais jamais ouvert la porte, pourquoi? Tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est l'esprit. La première fois. Que l'esprit a envoyé qu'on casse les portes. Mais l'esprit a envoyé qu'on casse les portes. Oui. Oh, j'attends, la police. Je regarde si la police est arrivée. Mais pourquoi il a fui maintenant? Pourquoi il a fui? Les gars ont fui, hein. Ils ont fui. Où est la police, là? Je leur ai dit que papa, entrez, vous buvez. Ils ont fini de boire. J'ai dit que papa, au revoir. J'ai ouvert la porte, ils sont sortis. Je dors, j'entends dans le sommeil comment Gloria parle avec les gens. Je demande à Gloria que tu parles avec qui? Elle dit que c'est un tonton. Quel tonton? Même la force pour me lever du lit, je n'ai pas eu la force. Qu'elle cherche son téléphone. Je dis que mais il n'y a pas de téléphone. Si Gloria parle, il sort, Gloria ferme la porte. Il redit encore troisième fois. Il a déjà sonné ici plus de 100 fois. Je dis à ce moment-là, il ne peut pas aller ouvrir. Il peut ouvrir. C'est pas celui-là, il peut ouvrir, il entre la main, il commence à fuir les toilettes, partout, il dit qu'il a son téléphone, il a son téléphone, et son ami là qui travaille sur Casa. Dès que j'appelle la police, quand moi fuis avec son ami là, voici la voiture qui est garée ici. Moi je ne peux pas laisser, il faut que la police vienne devant vous. J'ai déjà dit à Gloria de ne plus ouvrir la porte quand quelqu'un sonne, qu'elle ne connaît pas.
Mais les niaises vont venir. Voici la voiture là qu'ils ont dit qu'on a cassé la paille. Ils ont fui. C'est sûr que les gens y sont nombreux. Ils doivent être nombreux. Ça serait plus simple. Trois fois tu entends la mort de quelqu'un. La deuxième fois, la première fois, c'était devant vous. Après, j'ai parlé doucement. Après, ils sont sortis, j'ai fermé la porte. Quand ils sont sortis, j'ai fermé la porte. Je suis rentré directement, le sommeil m'a pris. Après, dans le rêve, j'entends aussi Gloire parler avec des gens. J'ai dit, mais elle parle avec qui? Sinon, je reconnais sa voix. J'ai dit, mais Gloire, tu parles avec elle, avec un tonton. J'ai dit, quel tonton, qu'il a voyé, il est la porte, et, il a dit qu'il n'a pas son téléphone. J'ai dit, ferme la porte. Ferme la porte. Voilà la police, pourquoi que je m'en vais, j'ai appelé la police. Voilà la police qui est venue. Voilà la police. Ils ont fui. Dès que j'ai dit que la police, l'ami de Cameroun a d'abord dit que non. Oh, je suis alors qu'il dit qu'il travaille à Casa. Il dit qu'il travaille à la Casa. Je dis, ah, c'est pas que non, le bloc, la porte qui ne sort pas. La police, il nous dit où est son téléphone. Je ne sais pas. Vois la voiture là. Petit a même mis la drogue dans la maison. Voilà la police. Petit a mis la drogue ici, je ne sais pas. Ils ont fui. Voilà la voiture qui est garée. La police est venue. Peut-être ils ont même mis quelque chose ici dedans où je ne sais pas. Le gars a insisté quoi dans la maison aussi, maman? Il insistait quoi ici dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mes frères, je ne sais pas. Ce que le gars a insisté ici dedans. Quand on a parlé, venu chercher quoi chez moi? C'est devant vous que tout s'est passé. C'est devant vous que tout s'est passé, qu'elle lance le direct. Comme quand il appelait, c'est parce qu'il était fatigué. Comme il est fatigué, il dit que bon, entre alors. Gloria. Viens. Je t'ai dit que quoi? Je t'ai dit que quoi, maman? Tu ouvres la porte pour quoi? Tu le connais où? Tu l'as vu quelque part? Et tu as ouvert pourquoi? Tu t'es dit, j'ai jamais ouvert la porte à une inconnue, non? Tu as ouvert pourquoi? Hé! Hey! Oh, la police là! Oui, c'est ici, monsieur. C'est vous qui avez appelé? Oui. Oui, nous ouvrons, s'il vous plaît. Oui. Premier étage. Allô? Gloria. Tu me dis mal à la tête, maman. Je t'ai dit de pour ouvrir la porte aux gens que tu ne connais pas. Tu n'as ouvert la porte, tu le connais où? Hein, Gloria? La deuxième fois, c'est elle qui a ouvert. La première fois, tu as ouvert la porte. J'ai ouvert la porte devant toi. Devant moi? Tu étais dans les toilettes, c'est moi qui t'ai pris pour t'amener dans la chambre. Et pourquoi tu ne me rappelles pas? Mais je ne sais pas. Mais il faut arrêter un peu là. Ah, dis donc, pardon, comprends que je. J'ai fait ça en direct sur ma page Facebook. Pas c'était pas en direct. Faut arrêter un peu. Regarde sur ma page Facebook, c'était en direct. Regarde sur ma page Facebook, c'était en direct. J'ai lancé le direct. Il connaît ce qu'il fait. Allô? La police est où, Gloria?
Viens ouvrir la porte, policier. Là. C'est même le corps qui fait mal. Oui, j'ai ouvert. Ma fille vient vous ouvrir en bas. Ma fille vient vous ouvrir en bas. Gloria, descends, va ouvrir la porte à la police. Là. On tient la porte, je ne m'ouvre pas la porte aux gens que tu ne connais pas.